qui change tout, moi ce que je remarque c'est qu'il faut arriver à. C'est comme le travail du sol, il faut arriver à passer au bon moment quoi. Donc après une pluie, quand c'est un peu ressuyé, mais pas trop, il faut que ça ait eu le temps de sécher un peu, mais que ce soit encore frais dessous. Et avec juste avec une binette à la main, on fait beaucoup ça. Ou alors avec un pousse-pousse, quoi, un sarcloir qu'on pousse. Si c'est au bon moment, ça marche super bien, qu'il fait chaud, que le sol est dans les bonnes conditions et que derrière il y a du soleil, toutes les herbes qu'on a sarclées, elles vont mourir sur le sol. C'est un mix entre l'état du sol, la météo, dans quelle culture on est peut-être aussi, avec quel outil on va passer, quoi. Après, parfois, on sait qu'on n'est pas dans les bonnes conditions, mais on le fait quand même parce qu'il faut le faire. Et puis que le reste de la journée, on sera occupé sur autre chose. Donc du coup, ben, c'est pas les conditions optimales, mais voilà, on fait. Est-ce que c'est des compromis entre des choses qu'il faut C'est vraiment des compromis, ouais, c'est ça.